Merci beaucoup. Alors, le lien d'unité, j'essayais de le trouver en reprenant quelques-unes des photos qui ont été diffusées tout à l'heure et en essayant d'appréhender quel était en fait l'impact de l'évolution des Champs-Élysées sur les usages, sur les utilisateurs. Alors, on voit bien que c'était assez peu commercial à cette époque-là. C'était principalement un lieu de promenade avec une avenue arborée. Ça l'est devenu peut-être à l'excès. C'était cette époque-là, c'était les années 70. Puisque des Champs-Élysées, on pouvait véritablement parler d'un parking à ciel ouvert, avec l'impact en termes d'utilisateurs, c'était principalement des utilisateurs de bureaux en petite et moyenne surface et des enseignes de mass market. Alors ensuite, il y a eu 1994, avec, vous en souvenez, l'élargissement des trottoirs, l'enfouissement des parkings, la création de parkings souterrains, et c'est là où les choses ont quand même commencé à évoluer, mais je dirais pas autant qu'à partir des années 2000. En fait, on s'est retrouvé avec une triple destination qui était à la fois touristique, c'est clair, on a vu les chiffres, événementielle, on a rappelé les événements du 14 juillet, du marché de Noël, du défilé de Jean-Paul Goude, de la fameuse moisson, et également de revitalisation commerciale et tertiaire. Je dirais que l'élément marquant, et je ne dis pas ça parce que Marc-Antoine Jamais est assis ici, ça a été, je crois, l'arrivée, et non pas pour autant parce qu'on a fait cette transaction avec lui, mais c'était l'arrivée de l'immeuble, en fait, de Louis Vuitton à la place de l'immeuble TWA et Accenture. Les plus anciens d'entre nous, dont moi, se souviennent encore qu'à l'époque, c'était même l'immeuble Domestos et Cajoline. Voilà, c'était un lessivier qui était là auparavant. Début. Donc l'arrivée de Louis Vuitton dans cet angle historique, 55 Georges V, 101 Champs-Élysées, a vraiment été quelque chose de majeur. Pourquoi ? Majeur sur le plan tertiaire, puisqu'en fait on se rend compte que se sont substitués aux petits utilisateurs de bureaux avec des petites surfaces pas trop chères, de grosses majors à la fois du conseil juridique, conseil en stratégie, donc on retrouve des noms qui sont emblématiques chacun dans leur domaine, McKinsey, d'abord au 79 Champs-Élysées, qui va passer ensuite de l'autre côté du trottoir chez SFL, mais également Sherman Sterling au 114 Champs-Élysées, S.J. Berwin ou Kyle and Guys au 116 Champs-Élysées. Donc on quitte une typologie d'utilisateurs de petites et moyennes surfaces peu chères pour retrouver de très gros utilisateurs leaders dans leur domaine. Et ce qui était vrai sur la typologie d'utilisateurs tertiaires, c'est également confirmé par la montée en gamme de l'offre commerciale, puisque vous le voyez qu'on a substitué notamment du côté impair, qui traditionnellement accueillait ce que vous voyez, c'est-à-dire des banques et des agences de voyage, eh bien, on a substitué Dinvan à HSBC, Nespresso à Air France, et puis Louis Vuitton, dont je viens de parler, mais Marc-Antoine en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Alors c'était vrai également du côté pair. Côté pair, on avait les banques, c'était du mass market. Eh bien, on a substitué à UBP, Courir et Quick, Cartier, Tag Heuer et Tiffany. Donc on voit bien que le luxe a remonté l'avenue, quelque part des deux côtés de l'avenue, ce qui est plutôt bien sur son irrigation, avec une montée très très claire en gamme de l'offre commerciale, mais qui s'est accompagnée sur la partie plus basse de l'avenue par des enseignes qu'on appelle haut de gamme et luxe abordable, qui sont des enseignes qui sont assez connues de nos ados. Voilà. Donc vous voyez Zadig et Voltaire, Abercrombie & Fitch sur le 23 Champs-Élysées qui va remplacer Thai Airways, et puis Banana Republic et Zadig et Voltaire une nouvelle fois au 12-14 rond-point des Champs-Élysées. Alors en fait on se rend compte que plus qu'un emplacement physique, je dirais que les Champs-Élysées sont une véritable vitrine commerciale, et on le voit, plus qu'une rentabilité commerciale immédiate qui est recherchée, je crois que les marques recherchent, et c'est particulièrement stratégique dans le cadre de la dématérialisation des échanges du Internet, une signature architecturale. Alors c'était très vrai avec l'immeuble Publicis qui était pensé par Michele Saé, qui est une véritable signature en haut à gauche des Champs-Élysées, mais ça l'est tout autant en bas à droite quand on remonte des Champs-Élysées avec le magnifique immeuble Citroën, donc qui était pensé par l'architecte Manuel Gautran. Donc l'objectif, c'est à la fois tout autant de vendre que d'être vu et de montrer l'étendue de son offre, et on quitte la logique purement commerciale au mètre carré pour une logique de showroom. Alors attention, il ne s'agit pas d'oublier la rentabilité du sujet, puisque les chiffres d'affaires peuvent être très élevés. On parle même de rendement au mètre carré, généralement de plus de 30% par rapport au rendement habituel, ce qui veut dire que pour un local de 200 mètres carrés, on parle d'un rendement de 20 000 euros du mètre carré. Alors puisqu'on parle argent et puisqu'il faut rentrer dans le dur, comme vous le disiez, Michel Field tout à l'heure, on va rentrer dans le dur, et la compétition internationale des enseignes a fait grimper les valeurs locatives. Alors on va le voir d'une façon très claire, encore que la valeur prime sur laquelle on communique, qui est à peu près 20 000 euros du mètre sur le côté pair des Champs-Élysées, doit être nuancée parce que ces transactions qui s'affichent Mac, Tiffany, Tag Heuer ont certes fait grimper les valeurs locatives entre 17 000 et 21 000 euros du mètre carré, mais en raison de montants de cession qui sont très élevés, entre 10
et 27 millions, alors que habituellement les cessions étaient plutôt sur la tranche des 2 à 8 millions d'euros. En fait, on a une valeur locative moyenne qui ne veut pas dire grand-chose, c'est 7 500 euros du mètre. En fait, on a une disparité entre les deux trottoirs, le côté pair et le côté impair, et à l'intérieur des deux trottoirs, entre le prime et la valeur moyenne. Si on prend le côté pair, la valeur locative moyenne est à 8 700 euros du mètre, mais la valeur prime est à 21 000 euros du mètre. Du côté impair, la valeur locative moyenne est à 5 700 euros du mètre, et la valeur prime est à 10 000 euros du mètre. Alors on a vu les enseignes avec à la fois la montée en puissance, je dirais, du luxe, mais également du luxe plus abordable, entre guillemets. Qu'en est-il des investisseurs? Alors là aussi c'est intéressant, voilà, et pour une fois, ça n'est pas doublé, parce que jusqu'à présent toutes les slides étaient doublées, donc j'espère que vous avez pu lire quand même. Il y a une modification assez intéressante de la typologie, de la nationalité des investisseurs. On est passé d'investisseurs privés à des investisseurs institutionnels français, notamment les assurances ou les banques, on le verra avec Nicolas Simon. Et depuis 5 ans, on voit arriver massivement de nouveaux entrants, tels que les fonds souverains étrangers ou les fonds anglo-saxons. Ils représentent en fait plus de 90% des volumes investis sur les Champs-Élysées depuis 2010. Leurs stratégies, pour autant, sont assez différenciées, puisqu'en fait, les fonds souverains, et je pense notamment à Norges Bank, NBM, ADIA ou QIA, recherchent essentiellement des trophy assets sur les principales artères prime des grandes capitales mondiales, mais avec une stratégie qui consiste à dire on veut sécuriser les revenus locatifs et préserver la valeur en capital. Dès lors, on est dans des stratégies de détention à long terme, donc sur plus de 10 ans. Il y a par ailleurs les fonds anglo-saxons qui ont certes une stratégie d'emplacement prime, mais avec une logique de création de valeur, c'est-à-dire une détention des actifs beaucoup plus courte. On parle plutôt d'un délai de détention de 5 à 10 ans. Alors vous voyez s'afficher ici certaines des acquisitions réalisées notamment par Thor Equities sur l'immeuble du 63-65 Champs-Élysées où il y a Nike et Tommy Hilfiger, à un taux de 4,25% pour 260 millions d'euros, ou encore de Pramerica sur l'immeuble Mercedes au 118 Champs-Élysées, là encore à 4,20%. Et puis deux acquisitions qui ont été réalisées par un investisseur du Moyen-Orient, le QIA, donc au 116 bis Champs-Élysées, qui est l'immeuble du Lido, et puis le 52-60 Champs-Élysées, qui était l'immeuble du Virgin et de Monoprix, et dont la presse parle pas mal en raison de l'arrivée prochaine des Galeries Lafayette. En fait, on assiste à une compétition mondiale de ces grands acheteurs, puisque l'enjeu est véritablement mondial. Que l'on parle des investisseurs internationaux dont on vient de parler, qui se retrouvent dans l'ensemble des grandes capitales mondiales, ou encore des grandes enseignes qui se battent pour y avoir leur flagship. In fine, les Champs-Élysées deviennent une avenue un petit peu déterritorialisée, tant la compétition est une compétition internationale. Alors, puisqu'on adore se comparer avec l'autre côté de la Manche, on se rend compte qu'on a une offre multigamme sur les Champs-Élysées qui se rapproche de celle de Regent Street, bien que les ouvertures récentes fassent écho plutôt à Bond Street. Et quand on compare les valeurs locatives, on serait plus proche de Bond Street, qui est à 11 000 euros du mètre, que de Regent Street, qui est à 5 300 euros du mètre. Tout cela pour dire que les Champs-Élysées restent l'axe le plus cher d'Europe, ce qui pose un sujet tout de même de la disparition progressive des indépendants qui ne peuvent supporter les taux d'effort, et d'un risque de tout prêt à porter avec des enseignes qui peuvent supporter des taux d'effort plus élevés, de 10 à 15% contre 5 à 7% pour la restauration. Alors au-delà du continent européen, voilà, les Champs-Élysées sont la troisième avenue la plus chère au niveau mondial, puisqu'on est derrière Causeway Bay à Hong Kong, qui est à 25 000 euros du mètre, et derrière la cinquième avenue, qui est à 21 000 euros du mètre. Alors cette comparaison permet de s'interroger peut-être sur le devenir des Champs-Élysées dans cette compétition mondiale. Est-ce qu'on va aller vers toujours plus de grands magasins comme au Causeway Bay, qui auront la capacité à absorber sur leur surface les loyers au mètre carré? Est-ce qu'on aura in fine des locaux commerciaux plus vaste, mais avec des concepts de concept store ou de flagship, avec des inaugurations spectaculaires où on se rend compte que finalement, à l'heure de l'essor de l'e-commerce, jamais la matérialisation des échanges n'a eu autant d'importance pour les enseignes. Est-ce qu'on va également vers une scénarisation des Champs-Élysées à l'instar de ce qui est fait au Light Show à Hong Kong, dont on vous a mis quelques belles images en haut à droite, où il y a 40 immeubles qui s'illuminent tous les soirs? Est-ce qu'on va également vers une répartition des usages dont a parlé tout à l'heure Jean-Louis Missika, c'est-à-dire un petit peu plus de culturel,
réintroduire un petit peu de résidence hôtelière, résidence service, des bureaux de meilleure facture, car il faut bien constater une obsolescence du parc, et enfin un rééquilibrage des deux côtés de l'avenue, dans la mesure où on voit bien qu'il y a une disparité en termes de valeur locative. C'est toutes les questions que j'avais envie de poser aujourd'hui, mais je suis sûr que c'est le début du débat que nous aurons ensemble. Merci de votre attention. Merci.